récupérer leur bien. C'est leur bien. Leur bien. Attention. Leur bien. Si vous avez saisi caillou, ok, oui. Vous avez toujours. Oui. Caillou. Vous avez deux caillas sur l'état censé lever. C'est caillou. Ok. Vous avez toujours bagaille. C'est son pouvoir qui est en face, vous comprenez? Leur bien. C'est, ça, c'est normal, lui. Donc, ça veut dire, ça veut dire. Oui, mais c'est ça, ouais. Normal, Louko. Ouais. Ou quand il y a un problème à un monde, et puis il y a un juge qui décide de qu'il y a un caillou, même j'ai un tout, ou quand continue jusqu'à ce que le juge. Sans question, pour... question de pouvoir. Oui, ouais. Mais ça, c'est. Sans question de pouvoir. C'est pour un bagage. Les pouvoirs, l'illégal. Les pouvoirs, l'illégal. Ouais. Parce que sous juge son injustice, il était fort. Oui, ou c'est la raison du plus fort. Ou non, moment, ou t'es en faiblesse, ou pas de cas continuer à faire bataille là. Mais bon, ou quand toujours. Oui, et ça fait. Mais ceci. Sont bien l'État. Oui. Deux bagages différents. Oui, c'est deux bagages différents. Oui. Comprends ça. Il y a capable de lever sur les usines, sur compagnie, sur Kaila Boule, sur. Oui, 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 oui. OK. Mais bagage l'État était pas. Fait bagage à faire. Non, bagage ça bagage l'État c'est usine va ou rien bagage pour nous. Et ça fait que de monde jusqu'à présent pas d'accord pour y aller dans DGI, qui a loué terre pour faire caille. Très bien, très bien. Parce que toujours d'où quelque chose à faire, c'est bien l'État. Très bien. Donc, c'est garder, ne pas garder, madame, monsieur. OK? Et comme il dit, c'est là pour comprendre le pays. Son question, de la raison du plus fort, en fait. Le rapport de force là. OK? Jovenel Moïse, tu as goûté nos batailles, nos batailles avec la famille Vob. Nous comptons toute histoire déjà. Jovenel Moïse, assassiné jusqu'à présent. Poco enquête, pour gagner qui dit dans le cas d'enquête. OK? Et puis, qu'on y a là. C'est Ariel Henry qui est donc aux commandes, nous avons une histoire politique qu'Ariel Henry a déjà. Et bien la famille Vob dans ce moment-là, donc il y a une route pour récupérer, ou du moins pour lever seul et tout seul te gagner, donc sous bien yo, que sous président Jovenel Moïse, la justice te mette. Maintenant, il y a une décision que l'État ici te prend, parce que moi je dis l'État ici, parce que Jovenel Moïse, il était représenté l'État, c'était retirer Vareux. Dans le monde privé pour retourner dans l'État. Mais on va regarder qu'on y a, est-ce que l'usine Varoya va retourner qu'on y a donc dans la famille Vob. Non, si c'est si pas bien privé, c'est pas ça. Il pas bien c'est pas bataille là, ça, c'est non, pas bataille là ça. Non, regardez pour nous. Non. Parce qu'en principe, si on décision de l'État, si on décision d'État qui prend, OK? Donc décision sont décision de l'État. Oui, oui. OK? Maintenant on va regarder pour nous est-ce que l'usine Varoya, écoutez, ceux les capleve pour tout et ça revient comme propriété. Et comme c'est bagaille privé. C'est bagaille privé. Privé. Donc, ils sont bataille juridique, ils sont bataille politique. Oui. Et de fait, je dis, avec l'assassinat du président Jovenel Moïse, ils ont pratiquement gagné un rapport de force là, parce que et... Jovenel Moïse parle encore. Le connaissez-vous? Information! 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 Le Premier ministre président est actuellement au Palais national. Le docteur Ariel Henry en conseil des ministres. Le Premier ministre président. Docteur Ariel Henry préside actuellement au Palais national son tout premier conseil des ministres une semaine après l'investiture du nouveau cabinet ministériel, je dirais même et remaniement, parce que c'est pas le nouveau cabinet, du nouveau cabinet ministériel du gouvernement de consensus. Il est question entre autres d'attribuer une feuille de route à chaque ministre dans le cadre de l'action gouvernementale. Très bien. Le docteur Ariel Henry, président, premier ministre. OK. Haïti politique, nous avons deux points que nous avons mariés ensemble, que nous avons traités ensemble. Dossier triumvirat. L'ancien président Joseph Michel Martelly mettra-t-il tout son poids dans la balance? Nous avons traité là avec le point qui dit que Haïti politique, une visioconférence est prévue ce vendredi entre les représentants de Penn, le groupe de Montana, CESOC, et de Ariel Henry sous les auspices du Congrès américain. À quoi peut-on s'attendre? Ce qui va aimer, c'est le qui va prendre. Je suis tard. Alors tu fais ça ici. Aïe, aïe, aïe. OK. Jeudi à Mdéon. Jeudi à ce jeudi 2 décembre 2021. Madame, monsieur, pas jamais oublié ça qui parlait sous table matin débat. Et nous toujours dit que chaque émission matin débat, c'est suite émission que tu as faite déjà. Claire. Yon ne pas pour nous garder, en nous garder avenir SDP du secteur de l'opposition dans la politique dans le pays. Songez sous ta matin débat, je te dis que Gonkou Kasekou,
qui caparé pour SCP par Ariel Henry également donc par l'ancien président Joseph Michel Martelly. On nous garde pour nous. Information. Ici, Martelly. Pas que vous pas bois. Après le dernier remaniement du cabinet ministériel par le Premier ministre, le docteur Ariel Henry, l'international, en particulier les Américains, ils n'ont pas d'accord avec la démarche du docteur Ariel Henry. Soit dit là, non. Mais ils l'ont pipé mot. Pourquoi? Ils n'ont rien dit. Pourquoi non? Il va être dans le primature en levant là, en fait. Jamais. Non, jamais. Jamais. Qui est injecté là? Qui est ambassadeur? Pas qui est comme ça, papa. Qui est comme ça? Pas qui est pas qui est ambassadeur là. Non, papa. Il n'est pas d'accord avec le maniement. Ah, parce que il aurait été attaché à un message de émissaire qui était porté dans le pays, qui c'est au fusionnement de l'accord. Aïe, aïe, aïe. Fusionnement d'accord qui. T'as dû venir en principe un nouveau cabinet ou du moins un remaniement du cabinet ministériel. Eh ben, okay. Mais sur le plan diplomatique, attention, un petit moment. Sur le plan diplomatique, c'est comme ça, oui. Si y'a qui t'a rien à rire, allez, s'il est réussi, il est réussi. Mais s'il pas qu'à réussir tout, correct, oui. Voilà. Mais y'a attiré attention au Premier ministre sur ça. Comprenez, madame, sur la politique, c'est une question de temps. Donc, ceci dit, demain, qu'on visioconférence sera faite. Information. Gon bloc dans le Congrès américain, c'est lui qui a mené, bagaille là, en terre, madame, monsieur. Congrès a aimé que trois représentants, trois accords, montent Louisiana. Ok, chaque tap présenté trois, il tap vin avec trois membres. Monte Louisiana, en bas, je congrès, représentant congrès pour faire débat sur Haïti, puis on entendre devant blanc. Comme c'était le cas de gouverneur Allen. Oui. Net, oui. Vincent là, monsieur, composé. L'invitation. Patrick, nous. Ok, l'invitation. A été sur la table. Mais il faut que je me dise que, dans le secteur yo, qui n'est pas d'accord avec la démarche, ça peut rentrer dans tout. Maintenant, il est prévu une visioconférence demain entre différents secteurs yo, représentant les trois accords. Et c'est à partir de visioconférence ça. Si pas gagné sorti, il n'y a pas obligé d'inviter les représentants de trois secteurs pour aller à Louisiana devant le Congrès, devant les représentants du Congrès, puis au Chita comme Tangou. Ah, vous connaissez? Le Chita et puis le composer. Puis le composer, puis le entendre devant blanc. Et puis là, on tourne pour le tourner, ça va tourner. Mais il faut attendre demain. Cependant, Dr. Ariel Henry a avancé lui-même. Il était prévu que cette semaine, il a monté conseil électoral provisoire, mais la même logique de international n'a pas tellement d'accord avec le remaniement cabinet ministériel là. Il a dit faut s'y camper sous formation conseil là. Donc c'est fusionnement trois accords. Là, au fin, je n'ai en tête. Il est capable d'avancer donc, avec le conseil électoral provisoire. Maintenant, il y a deux bagages pour nous suivre. Pas oublier. Moi, tout routine. Docteur Ariel Henry, ils sont docteurs. L'entendre qu'on docteur en médecine, qui est politique, faut réel. Soit le café au manier mon cabinet ministériel là, c'est pas de connaître, que le pas de qu'on doit faire. Il fait quand même. Il concorde le devait arriver pour le dire, bon, okay. Là, c'est pas mon créature ou non là. Il concorde le devait arriver de ça, il dit que. Mais machine le bien, mettez machine en place président. Voilà. Il fait au maniement, c'est pour le capable de négocier maintenant la toute. Et c'est là nous, il fait aujourd'hui là. Maintenant, on nous garde pour nous, hein. Comme l'information a été communiquée à l'émission Matin Débat, d'ici 5 décembre, il y a gagné un cabinet ministériel. Donc, ce week-end, il y a gagné un conseil. Je voulais expliquer. Michel Martelly, son ancien président. Clair.
nous va bien rappeler comment elle est venue. Tout le monde connaît. Ancien président, le c'est Blanc qui était metté le président. Clair. Maintenant. Non, Blanc, non. C'est le parti qui est posant. Non, c'est moi. C'est moi qui est metté le président. C'est lui. David. Je tiens à citer le président, mon frère. Qu'est-ce que ça? Je tiens à citer le président. Arrêtez-nous, ça, monsieur. Comme si Blanc pas de président de la présidence. On ne peut pas faire débat ça. Je tiens à citer le président. Avec 700 000 voix, l'autre monde aurait été le bout d'un chabou dans la caillou pour le voter. Monsieur, gagne l'élection. S'il ne peut pas passer dans le deuxième tour. Je ne peux pas faire débat ça. S'il ne peut pas passer dans le deuxième tour, il va faire 700 000 voix. Oui, s'il ne peut pas aller. Je vais le tour. Il va passer pour Esaïe. Il va répéter pour Esaïe. Il va passer pour Esaïe. Il va bien rappeler pour Esaïe que. On avance, mon frère. Et Michel Martelly est en 5e position. On avance, merci en pile. Maintenant. Je vais bien rappeler ça. Là, au pont de Dilton. Et puis, je continue. Écoutez, bah, là. Non, ça, il connaît. Non, mais monsieur, il faut tout le intervention. Intervention, Esaïe, c'est tellement bon. Ouais, nous mettons plus. Et puis, d'ailleurs, c'est pas comme ça, il bouchait. Vous connaissez Esaïe. En tant que journaliste, c'est pas comme ça, il bouchait. Là, ça connaît. Ça connaît. Ok, monsieur. Maintenant, si Michel Martelly, comme président, pas bien fait job. Je t'ai demandé pour le faire. Il n'a pas toujours gagné contact qu'elle a gagné depuis le président. C'est bien. Non, mais tout ancien président a gagné contact. Non, ou quand il y a un négligé, il n'a pas répondre. Assez. Oui, mais vous ne pas répondre à l'exigence par eux. Vous comprenez ça, vous voulez dire? Correct. Donc, conseil de mépris, t'as pas où? Claire. Comment vous avez dit? Maintenant, c'est parce que l'été gagné un comportement, et c'est un blédou qui répond à exigence par eux. Maintenant, c'est même bagaille là qui a continué. Parce que le conseil de bagaille, s'il y a une fois en Haïti, il y a toujours, il y a toujours été un chef d'État, un ancien chef d'État. Pour pas avec vous. Très bien, très bien. Il y a des gens qui ont bien contacté, qui ont toujours été un ancien chef d'État, qui a bon, surtout qui a un bon comportement avec vous. Pour pas avec vous. Très bien. Parce que écoutez, Blanc a gagné contact avec tout le monde, si vous avez besoin de tel bagage, vous avez qui est-ce pour vous parler. Si vous avez besoin de tel bagage, vous avez qui est-ce pour vous parler. Ça, c'est clair. Très bien. Maintenant, je ne pas connaître, je ne pas voulais parler parce que je voulais qu'il t'ait parlé pour garder qui qu'on t'a parlé parce que là et gagne des bagages m'ont été dit toujours qu'un béo et puis vous pensez étant comme ancien président l'été qu'est à comprendre et c'est ça que fait Lionel Valbouin vous pensez lui faire sortir côté légal là c'est ça seulement été qu'à faire mais c'est pour toujours te comprendre tout. Il y a un intérêt qui n'est pas représenté. Très bien. Puisqu'on n'a pas présenté une série d'intérêts. Et c'est normal parce que la place n'est pas là. Très bien. Et là, ça. Et plus souple que vous allez en silence. Mais le pays a reconnaître quand même. Bien. Où sont les qui parlent de sorciers de bagouille. Toujours été traversé hier. République la Palmyra. Exactement, madame, monsieur. Et sous la mer, vous passez. Dans le village, vous passez sous la mer. Il a eu l'information. Nous pouvons aller vers un triumvirat parce que un jour tellement grand là, il y a trop acteurs et manger à trois petits. Donc c'est composé pour composer entre trois acteurs sérieux. Il faut qu'on représente deux acteurs sérieux et pour tout le monde capable confortable. Maintenant, parier ou pas boire, c'est triumvirat. Maintenant, si c'est triumvirat, la fête avec ce qui nous reste comme institution. Qui ça gagne comme institution? Pas un coup de cassation. Coup de cassation dysfonctionnel, parce que l'autre juge beaucoup nommé. Président mourit. Pourquoi gagne l'élection? Qui est ce qui préside le coup de cassation? Pas gagné. Comme institution, c'est la présidence. C'est le Sénat. Et puis le secteur politique. La présidence, président assassiné, et présidence même comme institution, président c'est premier personnage là, secrétaire général là c'est deuxième personnage là. Comme président par là, donc secrétaire général là, vient premier personnage là. Donc si on dit qu'on a fait un conseil présidentiel, et c'est la présidence qui a fait un conseil là, Georges Bialui, président. Le représentant de la présidence, ce sera le secrétaire général. Mais est-ce qu'il dit pour qui ça l'obligeait la présidence? Non, on n'a pas l'institution.
La présidence, c'est seulement un putain de président qui parle, qui assassine. Et qui parle, et pas, et okay? La Cour de cassation, ouais, toute histoire, il y a un coup de cassation. Et toi, juge, qui pourrait je me remplacer, président, coup de cassation, mourir. Mais le gamin. Donc, mais faut une élection qui fait. Faudrait l'élection qui fait pour les présidents qui sont présentés. La présidence. Comment on va faire la même que quorum? C'est pas même la même du tout, frère. L'air n'a pas de la présidence. Et comme. C'est pas la même chose, même. Dans le premier triomphe, on a parlé. N'est-ce qu'à comprendre? Puisque Jovenel Moïse a été assassiné, son secrétaire général, moun ni te choisi d'y rete, dans l'idée pour ne pas mettre l'équipe sa de yonet, nous te composé avec la présidence pour te représenter notre triumvirat ça, pour te sortir dans la crise là. Mais ce n'est pas la présidence en tant qu'institution lui-même qui. Obligatoire qui vient indispensable pour nous sortir dans la crise. Qui ça la présidence représente actuellement là dans la crise nous y est là pour le temps? Comme si, s'il pas là, nous pas passer de lui-même. Non, là, on a parlé de cas exceptionnels. C'est là de nous là. Mais, exemple, M. Prend là, coup de cassation avec la présidence, ça n'est pas même bagaille du tout. C'est des institutions qui manquent des mounes. Voilà. Quand coup de cassation est plus complexe que par présidence là. Maintenant, dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, là, et c'est là nous y est, madame, monsieur. Pas que Jovenel Moïse a été élu donc, sous PHTK. Et le mandat de Jovenel Moïse, c'est un mandat de PHTK. Un mentir là-dedans. Jovenel Moïse était président, il a fait l'autre bagage, ça fait que PHTK était camp en face. Mais le mandat, c'est le mandat, c'est un mandat PHTK. Maintenant, non, si c'est trois institutions. Théoriquement. Oui, théoriquement. Attendez, si c'est trois institutions, donc la présidence a vu un monde dans le triumvirat, le Sénat a vu un monde, nous déjà connaissons Lambert, et puis l'autre là, c'est la classe politique, qu'on voit que Montana, qu'on formule en question de CNT, Commission nationale de transition, qui demandait pour gagner des candidats qui viennent voter pièce, puis qu'il faut élection entre eux. Maintenant, le monde qui passe une élection, okay, c'est lui-même qu'on y a qui parle, vine. Troisième membre, donc madame, monsieur, donc notre triumvirat. Ok. À quoi information baila? Le cas de Valbrun. Le cas de Valbrun. Pour ça, Bala pas arrêté. Et puis Valbrun, t'as tout arrêté, il fait partie de notre triumvirat. Alors, mais. Parce que Valbrun, Lionel Valbrun, c'était ministre de l'agriculture. Sous Michel Martelly. Mais le fait pas de quelqu'un, Joseph Michel Martelly, pas que madame monsieur dans le pouvoir, Gonquin Jovenel, Gonquin Martelly, Gonquin Martine, Gonquin Sofia, les alliés, même si Gonquin Aristide, Gonquin Préval, qui n'est pas dans le sang, mais c'est allié. Correct. L'équipe de Martelly, vous voyez que même si Valbrun termine sous Martelly, il n'y a que. Il n'y a pas un Michel Martelly. Il n'y a pas un Michel Martelly, donc il était plus abservi Jovenel Moïse et Martine Moïse. Et puis l'autre dernier tibaye là qui passe à tout. L'autre dernier tibaye qui passe à. Le Valbrun est allemand de machine. Voilà. L'équipe de Calais, mais ça. Mais ça, pile. Mais ça, tout y est, Valbrunette. Et bien, maintenant, ça qui passe, madame, monsieur. Pas oublier, Ariel Henry, nous t'as dit, Lucien, dans le matin débat, a été en fait validé par M. Matéli. Mais je me demande, il a fini choisi Ariel Henry. Elle a choisi Ariel Henry de conseil avec M. Tef, M. Matéli. Faut qu'on Bon, Damien, on va avancer. Non, c'est dans Valbrun, ma boîte. Allez-y. C'est dans Valbrun, ma boîte. Gros problème, Valbrun. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'équipe de Martelly et de PHTK, ils ont mis la pression sur Ariel Henry pour imposer Joseph Perlui comme secrétaire général du Palais National. Ouais, je sois ça. Quitte coup de tête tiré. Joseph Perlui t'a installé quand même comme secrétaire général de la présidence. Claire. Parce que le cadre triumvirat, secrétaire général, c'est lui-même qui a fini,
membre du conseil présidentiel. Donc ça veut dire que je dis à PHTK, Michel Martelly fait deux coups. Mais que Joseph Lambert qui se parle. Et puis qu'on a quelque chose vers lui. Et dit que triumvira, Michel Martelly a deux mouns là-dedans. Le problème. Le problème. Le problème de Valbrun, c'est pas que. C'est le premier parti. C'est pas que Valbrun, c'est Jovenel. Ou est-ce que Valbrun, Lionel Valbrun, t'as pris position pour Jovenel, par le national, t'as gagné Claude Joseph Laden longtemps. Longtemps. Si c'est comportement ça, monsieur, t'as gagné, Jovenel. Eh bien, palais national, t'as gagné Claude Joseph là-dedans. Écoutez, maintenant, c'est parce que Valbrun, dans l'âge, monsieur voulait être correct à ça, les deux faits. Maintenant, m'boil, d'accord avec vous? Tapez à mon Valbrun, monsieur, pas. Monsieur pas trop malléable. Ouais. Monsieur était esclave écriture. Ça veut dire que constitution un député fait un job, personne pas venir demander pour le fond l'autre bagaille. Donc politiquement, équipe PHTK, malgré que vous avez Valbrun comme ministre, on dit là, côté où vous voulez aller, il va être capable d'aller avec eux. Écoutez, non mais si PHTK, Valbrun était plus souple, et qu'a fait l'ensemble avec Lambert? Très bien. Comprenez? Très bien. Puisque le président Lambert, c'est mon pays allié, et puis Valbrun, quand même, qui était ministre, eh bien, il a tout fait. C'est qu'un gros problème entre qui est-ce qui pour numéro 1. Très bien. Valbrun a décidé, c'est lui pour numéro 1. Non, Valbrun n'a pas décidé. Valbrun joue une visite au pile secteur dans le pays, institution, qui rencontre Avel, qui chita dans la réunion ensemble Avel, et qui dit, lui-même c'est un moun personnage pays à pas qu'à reprocher, ni doit être l'homme ici, c'est lui-même qui pou, numéro 1. Oui, mais ça va, l'église évangélique, quand il y a une réunion avant, les plus grands pasteurs, vous connaissez eux-mêmes. Si vous dites, ça qu'a fait dans le pays, il y a trois personnes dans le pays qui ont accepté, mais nous venons rencontrer justement pour nous dire, n'a pas pu yo, si c'est où, cap numéro un. Si l'église catholique vient chiter ensemble avant, vous dites, n'a pas pu elle, mais c'est où pour numéro un. Vous avez l'autre bail qui est une dette et tout. Vous ne pouvez pas vous dire ça. Si une organisation qui a chiter ensemble avec vous, qui dit, n'a pas pu elle, mais c'est vous-même qui pour numéro 1. Donc, Valbrun pas même signer un papier avec personne. Et ça, je veux dire là. Maintenant, mais le président n'a pas parlé à Valbrun. Pour y faire, mais ça pour y faire, c'est pour le président. Si Valbrun déjà accepté avec le président, n'a pas parlé, ça fait longtemps. Et c'est maintenant ça même, après interview, président Lambert ensemble avec voilà. C'est 8 jours pour 8 jours. 8 jours pour 8 jours. Qui fait. Non, on menace le Premier ministre. On menace le Premier ministre. Monsieur, le Premier ministre a le pouvoir dans Mel. Nous avons qui sac dans Dol. On menace elle. Après réunion, il fait avec l'équipe. Li. Eh bien, c'est pour le fond Jean avec le fond Jean. Mais Jean-Luc Odia, il a arrêté autour de PHTK et président Matin. Et soit Non, le mandat autour de là. Le mandat, c'est un mandat PHTK. Jusqu'à présent, c'est un mandat PHTK. Quand t'es fait, Valbrun et président Lambert, les PHTK, ils sont deux. Si Valbrun était un ticra souple, eh bien, que fait-il qu'on y a encore Joseph Pierre Louis, PHTK. Ça va mentir là, madame. Ok. Donc maintenant, c'est là la question. C'est là-bas. Il y en a pas pour nous attendre, nous. Et que nous avons dit, c'est la matinée de débat pendant. Tout ça maintenant, et ça a été confirmé encore. Pas qu'on gagne pour le cabinet, ça n'a pas remanié encore. Claire, mon cher. Parce que si vous ne parlez pas de Troumvira, ensemble de ministres qui revient de droit à la présidence, ou là. Claire. Donc, un monde qui fait partie de Troumvira, et ensemble de ministres qui revient de droit, donc encore à Henri. Donc, elle dit que, pas qu'on gagne pour le cabinet, ça n'a pas casé dans 3 mois. Fini.
Pas aucun jeu, non? C'est moi qui dis 3 mois. Après 7 février, bâton chocolat. Oui. Ok. Okay. Alors, après 7 février, bâton chocolat. Probablement, Trumville a consommé. Et puis l'entrée en exécution à partir du 7 février 2022, madame, monsieur. Alors, ça n'a pas dit là, c'est comme c'est analyse, ce sont des hypothèses. Mm-hmm. Donc, il y a information de Il y a information. Mais, alors, on m'a parlé de institution, l'un parle de institution. Et l'IPAD d'office. 50-50. La présidence. 50-50. L'IPAD d'office que la présidence, comme si, obligée là. Parce que l'un du triumvirat, il est capable de trois membres, il n'est pas même. Bon, comme on ne peut pas faire rien. C'est l'institution là pour l'instant, on ne peut pas faire rien sans lui. Jusqu'à un moment où on a parlé à là, c'est le Parlement. Parce que ce sont des élus. Mm-hmm. C'est eux-mêmes seulement qui, c'est des élus là, qui représentaient 10 départements pays. Hein. Maintenant, si le pays a une crise, on ne peut pas sortir de la crise là, sans eux-mêmes. Ça, ou pas qu'à faire un lien de. Donc, ou pas capable de passer de Parlement. 10 élus. 10 élus. Alors, 10 sénateurs. 10 sénateurs. Yeah. Ça, même si on petit d'accord, après que, puisque nous en crise, élus, ils doivent faire un bagage. Très bien. Mais la présidence, là, j'aime d'abord tout à l'heure, j'aime même me comprendre, ni. La présidence, pas. Il parle même avec le Parlement, comme si les deux fils font l'île dans le triumvirat. Triumvirat n'a pas parlé avant. Mis à part la présidence qui est dans le là. Alors, triumvirat, puisque nous parlons de dialogue là, et dialogue là, baoul, parce que vous pas qu'à venir avec des bagailles et des idées. Ou bien tout bas là, non, et puis vous venez dire, on applique elle. Même j'en l'ai fait pour l'accord 11 septembre, non. Ok. C'est septembre 11 septembre. 11 septembre. L'accord d'arrière. Voilà. Comme si c'est un accord que le Premier ministre a préparé, et puis un ensemble de partis, d'organisations, ils ont adhéré. Donc. Oui, donc ça veut dire, nous, la présidence là, son la présidence qui existe, bon, je ne vais pas dire la présidence, son exécutif là, fonctionnel là. Maintenant, l'autre branche qui est dans la présidence, selon ça, je comprends moi-même, dans le premier. Un chapitre, nous avons parlé de triumvirat avec Valbon. C'était Valbon lui-même. Parce que tout simplement, il était représenté Jovenel Moïse. Okay. C'était pour ne pas mettre totalement dehors les jovenelistes ou bien pouvoir Jovenel dehors net. Nous dit, puisque nous en crise, les gens qui étaient sous pouvoir, nous avons fait des choses. Eh bien, les gens qui étaient sous pouvoir, ils dehors net. Nous prenons un représentant pour lui. Et puis, l'autre institution, nous prenons parce que c'est des élus. Et puis, l'autre membre, nous prenons dans le secteur qui, en face de la politique et société civile, nous entendons, nous voyons un troisième membre. Vous voulez, en seconde. Mais, Josué, c'est pas Valbon, étant comme secrétaire général Palais National, qui représentait des cap de le pouvoir, c'est PHTK. Ça, c'est le pouvoir, c'est PHTK. C'est pas le secrétaire général du palais. Le pouvoir, c'est PHTK. Ouais. Oui. C'est PHTK qui gagne l'élection, car l'élection, le pouvoir est PHTK. Mais c'est PHTK. Oui. PHTK. Oui. Oui. Donc, ça veut dire que la décision que tu as prise, c'est avec PHTK. C'est le pouvoir PHTK qui est là, qui est dans l'élection, qui gagne. Donc, ça veut dire que. Automatiquement, on pourrait négocier avec PHTK. Alors, président Matéli, il préfère pas qu'il quitte négocier pour PHTK. Non. Malgré PHTK, dans le dernier temps, pour voir nous dégâts dans well, PHTK, il était explosé. Non, même s'il était explosé. Il était explosé. Là, et pourtant, ça ne dépend pas là, dans ce premier temps, de récupération. Ouais. Parce que son pouvoir qui était gon parti. D'ailleurs, ou Noël, que Matéli était tellement fini avec PHTK, ça, pas officiellement, mais officieusement, il y a un regroupement ou bien parti qui est informé. Oui, mais il n'y a pas donc, non, le pouvoir PHTK. Tout le temps, 5 ans pour qu'on finisse pour pouvoir casser le pouvoir PHTK. En plus, théoriquement. Ça, c'est parce que l'on a regardé
PHTK ou d'abord on parti Jovenel Moïse, on parti pour Jovenel Moïse. On parti pour Jovenel Moïse. On parti pour Michel Martelly. Ça veut dire PHTK là il était en pile difficulté. Maintenant puisque nous non bagaille, nous non logique là de récupération de passer mes prends, et bien PHTK là il vient comme Jim Dadou et mettre PHTK repasser même le propre PHTK encore incontournable. Pour le PHTK. C'est président Martelly. Alors, d'après information, on va dire, ouais, parce que si nous apprenons que, je crois, lundi, le président Martelly t'a parlé dans le téléphone à Jovenel, ou qu'on est gaillé, il bagaille, parce que c'est lui, c'est le pouvoir, c'est lui. Ouais, ça fait nous là. Donc, le pouvoir est PHTK. Donc, c'est ça que fait l'occupant politique, même si on a un PHTK, il y a un problème avec un PHTK, tout le temps, pouvoir là, pas rentrer dans le bagaille là. Ouais. Parce que le pouvoir est PHTK. Oui, ça me dit tout. Donc voilà. Bien. Bon. En tout cas, bon, d'après temps pour nous. Et. On met tête chargée. Et il y a Ricardo Fridon qui a suivi l'émission là. Et il dit pour saluer tout le staff là pour lui. Ok, Ricardo Fridon a appelé ses responsables. Et nous. Pas de domaine. D'accord. En forme, Ricardo. En coup close. Okay. Nous pas complices. Donc là, d'après temps pour nous. Ok. Nous pas complices. Tellement que nous pas. Et que nous pas dormir, que nous pas complices. Bon, nous pas. Et nous pas complices. Nous pas complices. Ricardo Fridon, c'est nous pas complices. Nous pas complices. Ok, bon. Maintenant, Britain. Et chacun une analyse, celle-là, mais maintenant à toutes. Joseph Lexi doit être sous ta bande de débat. Nous a dit que pas étonné pour nous que Joseph Lexi est président. Oui. Et de fait, pas de route, pas bois, la fait partie quand même de Trumvira. Maintenant, reste à savoir. Conseil national présidentiel. Ouais, reste à savoir maintenant. C'est qui est, je dis, donc, qui parle lead, qui est pratiquement dans la tête du conseil là. Mais nous te dit ça ici dans le matin débat. Parce que déplacer Pion ça, là nous avons déplacé, nous dit, hein, Joseph Elu, c'est Michel Martelly Rouge. Et président Joseph Michel Martelly sera dans le pays à partir de demain. Ok? Joseph Elu, c'est Michel Martelly Rouge. Voici nous quitter ça là. Mon politicien de là nous pas qu'à reprendre. C'est là pour nous questionner. Et dire là parce que depuis nous quitter même si c'est 2 minutes pour aller pour café parce que depuis on pas passer là on pas passer là. Et pas la composition. Nous saluons tous prisonniers politiques. Ok, très bien, on a bien Ok, monsieur, même si c'est pour 2 minutes, parce que là, Nous saluons Josien qui toujours a pris avec nous et nous saluons Vénérable qui ensemble avec nous. Nous saluons tout le monde, tout ingénieur nous, mettons nous camaradement nous et nous saluons Abel Loreston et Edouard Seflet qui est avec nous là. Nous passons là à Louko. Abel Lambio. Oui, il est là, Abel avec nous là et nous passons là à Louko pour nous venir battre bouche nous pour 2 minutes avant. 2 minutes avant. Sur question insécurité, qui va le terrain et moi-même connais. Depuis 1986, à nos jours,
m'a fait transversal des troisième circonscription. Je voulais dire l'Ouest 1 et Tigouave. Ouais, c'est vrai. Je dis à là, nous avons des problèmes, nous venons parler avec c'est Otabio. Eh bien, Edouard, comment nous. Mais c'est moi, nous ferons pile, oui. Et nous saluons. Mais c'est nous ferons pile, mais c'est moi. Pas de soleil encore, frère. Oui. Mais c'est. Pas de soleil encore. Non, papa, nous m'a dit belle, la belle, Fredou. Oh, la belle. Bon, moi, Jean-Charles, docteur. Oui, bon, la belle. Mais c'est nous ferons pile, monsieur. Mais Louko, nous allons parler. Nous allons parler. Nous connaissons nos clairs. Nous connaissons nos clairs. Nous allons parler sans filtre. Nous saluons Louko, nous saluons Jésus, nous saluons Pierre Matet à toutes, Isaïe César, nous saluons tous les panélistes, ainsi que mettez en ordre nous. Et j'en souhaite là, non pas M. Saint-Fleur-Edouard. Et nous faisons passer dans le cadre là, c'est juste par rapport à la question de l'insécurité qui continue à valer le terrain, le kidnapping continue à valer le terrain, pile monde a victime au jour le jour. Donc actuellement, pile monde pas parler de ça. Et nous passons là pour demander à DG AIPNH, qui c'est France LB, et malgré nous, elle commence et a fait quelques gestes, mais il faut qu'il lève pied le plus, parce que je dis, nous sommes en mois de décembre, c'est mois de ravitaillement, pour petit machin, pour petit machin, nous ravitaillons, pour le cavine, et pour petit, pour famille. Donc, il faut que la question de sécurité, il faut que la police soit plus présente. Et dans zone rouge qui a plus de risques. C'est ça qu'il demande. Et grande question actuellement, tout gaz qui a fait actualité. Nous-mêmes, nous croyons que je ne veux dire, et question gaz là, il pose problème. Il pose problème dans le sens que, et c'est pas monter gaz là qui a problème dans le coup. Mm-hmm. Mais une fois que gaz a monté, le plus souvent, c'est consommateur final de qui paye. Et mais ça qui est important, extrêmement important, si l'État te ramasse comme là et puis l'État joue une population sous forme de service, il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous dites que le gaz a monté là, il faut